Oui, les services de renseignement ne sont pas ce qu'on croit. Le grand public les imagine à travers des figures un peu fantasmées comme James Bond. James Bond est une trouvaille, mais c'est un service de renseignement entier incarné en une seule personne. Alors que dans la réalité, bien sûr, c'est un travail collectif, cloisonné, c'est même une des bases du métier. Un travail assez ingrat aussi, puisqu'il se fait sous le sceau du secret. Et donc la plus grande discrétion, évidemment, est de mise. En particulier, la plupart des grands espions sont des fonctionnaires d'abord et des gens qui n'ont pas du tout vocation à devenir célèbres. Au contraire, s'ils deviennent célèbres, c'est qu'ils se sont fait prendre et que quelque chose ne s'est pas bien passé. Donc la série Le Bureau des légendes rompt avec une tradition un petit peu de confusion entre l'espionnage et l'aventure pour aller vers une analyse des services de renseignement plus réaliste, montrant leur fonctionnement, leurs règles, leur prudence, leur dérapage possible aussi, bien sûr, mais en évoquant véritablement, jusque dans les locaux où ils travaillent, leur réalité. Et en particulier, cette série est centrée sur la DGSE, le service de renseignement extérieur français, puisque la France a 7 services de renseignement au total. Celui-là est le plus très important parce que c'est celui qui, en particulier, envoie des clandestins à l'étranger, donc ces professionnels du renseignement très particuliers qui sont capables de vivre un certain temps, non seulement sous IF, comme on dit, sous identité fictive, mais une identité qui est étayée par une légende qui est comme une seconde vie. Dans la série, il se passe quelque chose qui ne doit pas se produire, c'est qu'un grand professionnel du renseignement, pour des raisons très privées, des raisons amoureuses, eh bien, ne veut pas renoncer à l'identité fictive qui normalement devrait tomber, disparaître avec la fin de sa mission. Et évidemment, ça crée une distorsion dans l'univers bien réglé du monde du renseignement, et chaque fois qu'il ment, il doit déployer une activité incroyable pour couvrir le mensonge, ce qui produit de nouveaux mensonges et donc de nouveaux épisodes. Et le travail que j'ai fait, c'est de regarder cette série attentivement, crayon en main, pour noter toutes les références à des affaires célèbres, des structures, des techniques, des réalités du monde du renseignement français ou étranger. Et on se rend compte que les scénaristes et Eric Rochant, le créateur de la série, se sont énormément documentés. Bien sûr, on peut regarder la série naïvement, mais on peut aussi s'amuser à la décrypter et à voir toutes les allusions, parfois appuyées, parfois très légères, à des affaires retentissantes, à des services étrangers, à des usages plus ou moins établis dans le monde du renseignement, puisqu'il s'agit véritablement d'une profession, en fait. Oui, parce que ça fait plusieurs années, en fait, que je m'intéresse aux renseignements et aux services français et que j'ai publié plusieurs livres sur leurs archives. Et ces livres, justement, ont été utilisés par les scénaristes dans leur documentation. D'où l'idée de se rapprocher et de rapprocher aussi la série avec les documents. Et de montrer, par exemple, une légende, donc c'est une fausse biographie, et il faut apprendre par cœur toutes sortes de lieux, de dates qui correspondent à ce qui est censé être votre vraie vie. Et bien, dans les archives des services de renseignement, on a des légendes et on a des questionnaires dactylographiés, je les ai publiés dans le livre. Ainsi, on voit que cette histoire de légende n'est pas du tout une invention du cinéma ou de la série. C'est une réalité, c'est même un fondement du travail des clandestins dans les services de renseignement. Et par les archives, j'ai pu accéder à de véritables manuels de formation, en quelque sorte, qui vous disent comment répondre en cas d'interrogatoire, comment réagir dans telle et telle situation. C'était des documents qui étaient très secrets dans les années 50, 60, 70, et voilà, qui, en tant qu'archives un petit peu anciennes, ont pu être publiés, mais qui en disent long sur le métier d'agent secret, comme on dit vulgairement, d'officier de renseignement, dans la réalité, en fait. Car cette réalité n'a pas beaucoup changé. Bien sûr, il y a les nouvelles technologies qu'il faut aussi maîtriser. Mais pour infiltrer un mouvement politique, pour vivre sous une identité fictive, il y a un certain nombre de réflexes et de techniques qui sont les mêmes qu'il y a un siècle, en réalité, ou un demi-siècle.